C'est très bien, cela signifie que nous avons la possibilité de parvenir à un accord car nous avons beaucoup en commun. J'ai répété à plusieurs reprises que les Russes et les Ukrainiens étaient des peuples frères. En outre, je pense que c'est un seul peuple avec ses traits culturels, linguistiques et historiques. Mais en réalité, nous formons un seul peuple. Et si nous avons une citoyenneté commune, je pense que les Ukrainiens et les Russes pourraient en bénéficier. Nous serons plus forts et plus performants. Vladimir Poutine a déjà signé l'ordre visant à simplifier la procédure d'obtention d'un passeport russe pour les résidents de l'Est de l'Ukraine, suscitant des appels de Kiev pour davantage de sanctions internationales. Le président élu ukrainien, Volodymyr Zelensky, a répondu à Poutine de ne pas s'attendre à ce que beaucoup d'Ukrainiens acceptent l'offre d'un passeport russe, bien qu'au même moment, il a aussi offert des passeports ukrainiens à des citoyens russes.